Tous les jours, je signais devant un flic. Il a une tête de bon gars, jovial, sympathique comme tout. Pourtant, pour lui, je suis un braqueur, je serai toujours un braqueur. Il est persuadé que je recommencerai un jour. Ça fait 5 générations qu'on se fait exploiter, et maintenant qu'on arrivait tout juste à gagner un peu plus que le minimum pour vivre, c'est encore trop. Ils partent ailleurs, plus loin, exploiter des gens encore plus pauvres. Qu'est-ce qu'il nous reste à vivre? Je te parle pas là du temps à passer, je te parle de quelque chose à vivre. Quelque chose qui fait que le matin, on est heureux de se réveiller. J'ai 3 licences, et ça servit à rien. Ma femme qui doit se lever à l'aube tous les jours, elle se ruine la santé, on n'a même pas de quoi acheter une mobilette d'occasion. Normalement, là, tu devrais me remonter le moral. Mais tu diras rien parce qu'il n'y a rien à dire, il n'y a rien à attendre. Toi, t'as pas une idée pour trouver de quoi acheter une mobilette? Pourquoi moi? Le pognon, et que ça saute! Impressionnant. T'es prêt à aller jusqu'où? T'es prêt à braquer un fusil sur quelqu'un? T'es prêt à tirer, à te faire tirer dessus? T'es prêt à mourir? T'es prêt à tuer s'il faut? Comment tu veux que je le sache? Tu dois savoir! C'est avant d'y aller qu'il faut se poser la question, parce que quand on y est, c'est trop tard! Vous êtes complètement fou, hein? Tu crois que ce serait vraiment pire en prison? T'as essayé d'imaginer Steve et Carole en train d'apprendre que t'as pris des otages, que t'as tiré sur des gens? Tu vas aller en tôle pendant 20 ans? Tu vois, c'est pas à tout d'avoir des idées. C'est aller au bout qui est dur. Moi, j'irai plus. Plus jamais, t'entends?